Hello à toutes pour la 18ème game de enfin pas de placement mais de ce grind sur la Ligue des Légendaires. Alors on joue encore une fois Shen, comme sur la game d'avant. Deuxième game de Shen au total. On joue contre un Mundo, donc je savais pas trop quoi pique contre. Mundo c'est une saloperie, c'est ultra tanky, ça fait des dégâts de fou, et en plus de ça, quand ça crève, ça peut nous retuer une 15ème fois. Donc c'est assez chiant. Même très très chiant. Donc ça vaut pas vraiment le coup de piquer un champion qui fasse des dégâts mais qui soit pas utile. On n'arrivera pas à le tuer. Par exemple Teemo, j'avais pensé. Sauf que Teemo, ben... on ne meurt jamais. En plus, il consomme quasiment rien en mana, donc voilà, ça c'est le pompon, on va dire. Okay, j'arrive, t'inquiète. Donc ça va être le pompon. Donc ça, il y a ça avec Teemo, il y a ça avec qui? Qui c'est que j'avais hésité à jouer? J'avais hésité à jouer Shyvana, mais je me suis dit, bon, le problème c'est que Sion, avec un ulti, il peut retourner un fight. J'aurais pu jouer Malphite, mais Malphite dans Sion, c'est pas fou. D'un côté, on a un tank qui est très statique et qui va comment dire, consommer moult mana pour la moindre action. Et de l'autre, on a un tank qui profite des champions statiques, mais qui consomme rien en mana. Donc voilà, j'ai fait mon choix là-dessus, globalement, voilà. Donc globalement il m'a mis un prêt, j'avais mon shield encore heureux. Ah oui, ça charge ultra vite aussi, il peut l'utiliser ad vitam aeternam. Tellement fier. Tellement heureux de pouvoir jouer ce match-up, j'adore ce match-up. Ce match-up. Miam miam. Alors il a un shield qui peut faire exploser, il a son Q-spell qui peut faire exploser quand il veut. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Bah il a tellement de trucs en fait. Il consomme ce Romana, mais vraiment. Et même comme ça j'ai réussi à me prendre le coup. Hein. Donc j'ai utilisé deux spells et j'ai quand même réussi à me prendre le coup. Voilà. On peut rien faire globalement. Alors je savais que j'allais souffrir avec Shen. Alors pourquoi est-ce que j'ai piqué Shen du coup? Il y a une raison toute conne à ça. Quoi? Ah non mais là par contre j'étais tellement en dehors là. Là par contre ça va pas, j'étais tellement en dehors que... J'ai même pas essayé de le poursuivre, ça sert à rien. Je vais sortir ça. Il va revenir avec une TP, il a un peu plus de trucs que moi, bon. Alors pourquoi j'ai pas essayé de le tuer? Parce que si je flash, j'ai plus rien pour m'enfuir. S'il meurt, bah... ça a son avantage. Lui peut mourir 20 fois, y a pas de souci. Et donc pourquoi j'ai pick Shen? Parce que globalement je peux retourner les fights avec Shen. En protégeant les cibles prioritaires. C'est ce que j'appelle partie prioritaire. Voilà. Et ce que j'appelle cible prioritaire, c'est les caries globalement. Donc il y aura Maître Yi, il y aura Samira. Il y aura potentiellement Veigar aussi. Hein. Donc lui, pour le moment, il y a un item en plus que moi, mais il a déjà TP. C'est bon, je l'ai réussi à le tuer parce qu'il est un peu con quand même. Il n'y a plus de TP. Regardez, il peut encore continuer à taper, il n'y a pas de problème pour lui. Il faut savoir que si jamais il me tape alors qu'il est mort, il me fait 20 fois plus de dégâts. Bon, 20 fois, j'exagère un petit peu, c'est mon petit côté... En France, vous dites Marseillais, je crois. En Belgique, ça pourrait être quoi?
sais pas si on a vraiment une ville qui exagère le trait à 100%. On va back parce qu'on va pouvoir TP après. On a ce qu'on veut, c'est-à-dire ça, plus Popots. Donc on est assez content. Il a toujours pas ça pour le moment, donc très bien. Ah, comme c'est chiant. Bon, par contre, il se prend un coup de tour alors que moi j'étais sous shield, donc ça, ça me va. Ah, oh, point de vie. Waouh, par contre, je lui ai interrompu son Q spell et il peut déjà le refaire. Mais si, j'ai pas le choix. Si, j'ai pas le choix, hein, globalement. Il fallait que je profite de mon avantage, c'est ce que j'ai réussi à faire. Mais j'ai quand même réussi à lui empêcher son... Merde. J'aurais pu le sauver, on aurait pu le tuer. Alors là, je suis extrêmement dégoûté. Oh non, qu'est-ce que tu fais? Oh là, c'est Mira. Là, c'est grave par contre. Mira, qu'est-ce que t'as foutu? Ah. Voilà, merci. On va faire ça pour bloquer un petit peu les dégâts. Donc il en a récupéré 2 sur 3. J'en ai récupéré une, c'est très bien. Ah mais ça peut lâcher ça à n'importe quel moment, c'est quasiment rempli en 0,2 secondes. C'est vraiment peu, champion. Alors il y a plus de farm que moi, pour le moment je suis quand même un petit peu plus utile que lui. J'ai 3 kills. Donc ces 3 de farm, ça lui sert pas à grand chose. En plus j'ai un lane qui push vers moi, donc en réalité j'ai plus ou moins plus de farm que lui. Je suis obligé d'utiliser tous mes spells juste pour esquiver, c'est quand même... Ouh, laissez-moi tranquille, c'est quoi cette merde? Bon là ça va, heureusement la hitbox n'a pas trop bugué. Parce que la hitbox de ce truc ça bug mais quelque chose de pas possible. Là par contre j'étais selon moi plus dedans au moment où j'ai dash. J'ai quand même pris les dégâts. Alors je sais pas comment c'est calculé. Alors ça se passe plutôt bien, on est en 7-3 au total, je suis en 3-0. Je vais dire de venir, non? Je n'y vois aucun inconvénient. On va en profiter pour reset. Bon, ici, ils ont beaucoup de dégâts AP, donc on va partir plutôt sur Sam. Et on va prendre... Merde, j'ai pas assez pour les bots. Tampi. Je pensais que j'aurais assez pour les bots, mais pas du tout. Bon, au moins ça, ce qui est positif, c'est que s'il va mettre des dégâts, je vais pouvoir régénérer un peu plus de points de vie sur la durée. Alors le feed, est-ce qu'il est... Ouais, il est feed, malheureusement. Bien défendu de la part de la Morgane. Ok. Moi, il lui découpe rien du tout. Oh, il lui fait 0 dégâts. Ouais, ouais. Vraiment fait 0 dégâts, quoi. Ok, bon. Immédiatement. J'ai pas R pour, pour un Sion. Ça aurait servi à rien en fait. Ah, là par contre je pourrais hein. Ouais,
Bien joué, ça. Moins bien joué. Ici, je sens que je vais devoir faire quelque chose. J'ai plus de 1 par contre. Ok, good. Bon. Ah, Samira Helping, on lui a dit 20 fois qu'il y arrivait. Toujours pas les bots. Bon, je suis très heureux. Lui, par contre, il les a. Un produit 12. Ça va être top. Item buddy. Voilà. Comme ça, ils sont au courant. Ok, pour le moment, ça n'a pas été perdu. Donc, bon, à quoi. J'ai pas de problème pour le moment à me prendre des coups. Je veux qu'ils comprennent qu'il n'y ait pas le bienvenu. Alors j'ai encore quelques potes potions. On va pas me mettre des auto-attaques. J'ai une TP. C'est pour ça que j'en profite en réalité. Sinon je ferais pas le malin. Ok, donc il a flash. C'est une bonne chose pour moi. Merde, je rate tous mes clips. Je suis trop con. J'avais pas vu que j'avais l'aggro de la tour. J'avais pas vu que j'avais l'aggro de la tour. Je suis vraiment trop con. Oh. Ça devient grave. Je suis focus sur d'autres trucs et je fais vraiment attention à rien. Oh là là là. Du coup, il se tape une interruption. Et comme si j'avais besoin de ça. Attention ici. Bon. On prend ça, hein. Pas le choix. Ça, rien de TP. J'ai plus de tour. Ok, bon, qu'est-ce que ça donne du coup? On est en 14-6. Il y a que le fils chez eux qui est vraiment en danger. Lui, il va être chiant parce que du coup, il a récupéré une interruption sur moi parce que j'étais trop con. Faut être honnête et savoir quand on est con. Et là, je l'ai été. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça veut dire que si je le rate, c'est quand même chiant. Alors sur quoi? Ah, il est parti sur Capsulaire. Bon, il a l'avantage en duel, du coup. Ouais, ok. Je dis que je suis prêt au cas où, mais... Si je le vois, j'en sais rien. Ok, non. Il est toujours pas là, tant pis. On peut, hein. Ah, j'étais vachement chaud. Ok. Bon. Ok, bah lui. Thank you.
Merde, du coup, ça j'ai pas vu. Nous partageons le même avis. Par contre, je sais pas qui a pris le plus de crottes de l'espace là. De l'arbre. Bon, on verra bien, j'imagine. Je vais aller l'aider. Le fils, ça c'est chiant. Mais bon, contre moi, normalement, ça devrait aller. Du moment que le Vegar farm bien, ça devrait être ok. Le truc étant, bien évidemment, que c'est si il farm bien. Et ça, c'est pas forcément gagné. Bon, tant pis, j'ai pas trop le choix. Bon, tant pis. Je pensais qu'il serait en danger. Oui, oui, ben bah, j'y vais. Mais qu'est-ce que... Qui c'est qui a demandé le vote d'érédition, là? Ah, maintenant on ne dit plus qui donne les votes de reddition. Nouveau ça. Je peux pas. Alors j'y vais. Ouah. Ok, il y a eu un flash aussi de sa part. Donc, tac tac. Ouais, j'arrive. À part feutré. Ok. Non, j'ai donné probablement un coup trop tôt. Ah, je vais faire un peu trop mal. J'ai plus l'habitude de jouer chaîne. Je suis plus habitué à ces dégâts. Bon, là, j'ai pas d'outils, donc ça sert à rien que je regarde ma map. Est-ce qu'ils sont morts avec l'aide du fils ou sans l'aide du fils? Je pense que c'est avec l'aide du fils, non? Non, avec l'aide du Shaco, ok. Ok. Bon, le maître il joue bien. Enfin, il joue bien son champion. Nul 5. On parle bien évidemment de notre Vegar. Ok. Le problème c'est qu'ici j'avais pas la tourelle. Enfin j'avais pas la vague pour me permettre de faire ça. J'ai encore ma TP, lui pas. Mais il a son ulti pour revenir, bon. Voilà. Ils ont pris une tourelle ici, j'essaie d'égaliser au niveau des gold. Donc on va partir là-dessus. Hein. Alors ça, ça, ça. Je n'y vois aucun inconvénient. Je regarde un petit peu ce qui se passe ici. Ah, sérieusement, ça va pas toucher. Bon. Normalement, quand même, on devrait avoir le dragon. Ils ont plus de jungler, ils ont quasiment plus de bot lane.
Oui, c'est wardé, il fait gaffe. Bon, en teamfight, il sera quand même utile, le Veigar, hein, avec sa cage. À défaut d'autre chose. Et il a quand même son ultime, mine de rien. Je suis pas sûr que je suis en danger, en vrai de vrai, mais on va quand même écouter les pings. On est quand même loin de notre tour. 1000 gold. Globalement, j'y suis, en fait. Ok, marche. Marche pour moi. Immédiatement. Oh, vraiment? Ah, j'allais dire. Respecte pas un minimum. Alors, bon, par contre, il prend mon farm, ok, ça me va. Oh, guys. Faut juste qu'ils comprennent, si jamais ils perdent un fight, ça sert à rien de le continuer. Hein. Voilà, merci. J'espère qu'il est content d'être venu, parce que moi je suis assez content que lui soit venu en tout cas. Sans un bruit. Je pense que ça va partir sur un honneur sur le i, et je pense que le i va m'honorer moi. Hein. Pas de team. Ah si, il a Morgana un petit peu quand même, mais bon. Il n'est pas forcément aidé. Ok, c'est bon, tout se passe bien. Nous partageons le même avis. En tout. Donc on fait ce qu'on a à faire. Ouais, yeah, no worries. J'espère, bien évidemment. Ah, bien joué. Oh, j'ai pas eu le temps de la R. Est-ce qu'elle va s'en sortir sans moi? Non. Il a réussi à s'échapper. Cela doit être fait. J'y vais. Hein. J'y vais, mais bon. Essaye d'aider Samira à rester en vide. Alors que c'est pas forcément facile. C'est bon, ils l'ont. Surtout, il va me prendre tout mon farm comme d'hab. Je commence à être habitué. Bon. Il prend les, voilà. Encore sympa, hein, je lui laisse ses stacks. Yeah.
bien. Ils n'en sont pas dignes. Oh, ça a réussi à me toucher, ça, vraiment? Ok, le brand, il a flash. Magnifique. Bon, en gros, moi, de mon côté, je suis obligé d'être ultra chiant avec l'adversaire, globalement. Je le fais plutôt bien, je trouve. Quand il s'agit d'être chiant, ça, généralement, je suis assez bon. Merde. Oh. Je sais pas pourquoi ils me disent de faire attention, mais bon. Faut les croire, hein. Cible marquée. J'aurais bien voulu avoir plus de trucs que ça. Incroyable, il a réussi à prendre un kill. Tu crois pas? Cela doit être... comme quoi, franchement. Tout est possible dans ce monde. Alors, c'est moi qui prends le 3 quarts des dégâts, mais ça me va. Moi, j'ai même pas eu mon bouclier. Moi, j'ai un shield qui s'active toutes les X secondes grâce au passif. Et là, rien. Que puis que nada. Alors, ici, j'aurais quoi? J'aurais donc ça. Ouah, je vais être très bien. Je vais être très très bien contre leur team. Si j'étais pas mort comme un con là sur Story of Dive, j'aurais eu une game parfaite en termes de KDA. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Ouais, ça sert à rien que l'ulti. Hein. On va être honnête. De toute façon, elle est pas très fine, donc bon. Ok. Donc ça c'est bon, c'est fait. Alors maintenant qu'est-ce qu'on peut partir sur, sur stuff? Je pense qu'une petite Warmog là en plus. Ou alors ça. Oh oui, ça. Ah, j'étais sauvé mon vieux, mais alors d'une force. Moi juste je lui dis j'ai plus d'ulti parce que bah je l'ai utilisé hein, accessoirement. Ah, comme ça c'est au moins réglé. Moi, je vais devoir aller là-bas, je vous le dis. Et j'ai pas d'ulti. Mais vous êtes au courant, je vous l'ai dit. Il y a pas de... Il y a pas de oui mais, non, il y a pas de oui mais, là. J'ai pas d'ulti, donc vous faites gaffe. Ah ça, ils vont quand même pouvoir prendre la tourelle. Maintenant, je leur dis de faire gaffe. Voilà. Eh ouais mon gros. On essaie de m'empêcher de farmer un maximum. Bon, il y a plus de farm que moi, clairement, mais bon. J'ai pas d'ulti, je le répète. Ouh. Je n'ai pas ulti. Donc 17 secondes, faut quand même que je surveille les mouvements du I parce qu'il est intéressant. Il y a ça ici.
mais j'y vais. Et je joue ça. Hydraulique. Rage. Je crois qu'il m'a compris. Moi qui veux faire. Engage-le. J'arrive par là, moi, de mon côté. J'aime prendre leur blue buff, pourquoi pas, après tout. Ne me dites pas que vous faites défoncer par le dragon, j'y croirais pas. C'est bon, ils viennent pas défendre. Nous, de notre côté, on a un blue buff pour tout le monde. Nice. Bon, j'ai 3000 gold, donc j'ai quand même back. Ça veut dire quand même que j'ai 3500 gold. Alors ici, encore plus de points de vie, plus de résistance magique. Ça octroie des effets, très très bien. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Alors on va vendre ça, et on va partir sur une Warmog. On n'a pas besoin d'armure, vraiment. Parce que leur seul dégât physique, ok. Even time. Avancez prudemment. Ok, parfait. On va dire qu'il y a eu un petit SS quand même. Je regarde ma map, hein, je suis obligé. Alors j'y vais. Malheureusement obligé. Ok, parfait. Pour le moment, le I est core full live, donc on n'a pas de soucis à ce niveau-là. Lui il reste vraiment top, hein, c'est incroyable. Hein. Il a une vie, lui. Très particulière, mais bon. Plus, hein. Par contre, je sais pas ce qu'il fait. Ah oui, si, c'est le dragon. Enfin, c'est les dragons plutôt. Voilà, donc ça c'est réglé. Ah, ça marche même sur le clone. Très bien. Non mais désolé, mais bon... je peux au moins détruire ça. Hein. Le fils viendra pas, il est... Comment ça chez Titi, mais fuck. On a nos deux solo link... Enfin non, on a le... Le bot et le mid qui perdent et il dit ça. C'est fou, ils exagèrent. On a plutôt bien joué. On a juste fait une énorme erreur, c'est qu'on regardait pas que la tour nous tapait. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. On maîtrise, bah GG j'ai envie de dire. Genre pas à qui d'autre je peux le donner hein, en toute honnêteté. Il joue maîtrise, je sais, c'est pas le plus difficile des champions, etc. Ah il a fait sa game hein. Il a réussi à se feed, il a réussi à ne pas feed. Clairement. Bon par contre j'espère que... Pas envie d'avoir une petite petite marque là non? Non vraiment? On a le même cas, enfin KDA. On a quasiment le même kill participation, donc le KP. Ah, ah Maitri.
My Bruiser, exactement, c'est bien ce qui me semblait. On se soutient, on était à deux dans la game. Enfin, on était trois. En vrai, la Morgana n'était pas mauvaise. Mais bon, Veigar, Samira. En plus, le pire, c'est que Veigar a pick dans Fizz. Donc, il savait que c'était Fizz en face. Mais il s'est fait laver, quoi. Samira, je peux comprendre qu'elle n'ait pas eu une game facile entre Ziggs et Brandt, dur, dur. Pas de raison pour être en 3-10 non plus, elle a fait beaucoup d'erreurs de placement. En termes de dégâts, on est bien. On est quand même pas mal. Par contre, j'ai pas de farm, quoi. Pas de farm du tout. Enfin, je dis ça, je suis troisième en farm de la game en ayant fait plusieurs ultis, mais quand même, quoi. J'ai raté tellement de creep. Il va falloir que je travaille là-dessus si je veux m'améliorer. J'ai gagné combien de points, moi? Ah oui, promotion d'argent 2, incroyable. Et en plus, on a 19 PL. Donc on commence déjà avec 19 points. Très bien. Ça commence bien la journée, très bien, magnifique. Et bien sur ce, on va se quitter. J'espère que la game vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien évidemment. N'hésitez pas à prendre les commentaires, hein, on ne sait jamais. Vous avez des recommandations pour m'améliorer, évidemment. Je suis preneur. Sur ce, je vous dis à la prochaine.